Julien Marlotti pour le Fashion Post, hôtel Biblos à Saint-Tropez, avec Giuseppe, chef concierge. C'est vous qui détenez les clés. D'ailleurs, ces clés d'or qui figurent sur votre veste ouvrent plusieurs portes. Je suis ravi de vous rencontrer, je suis ravi de vous interviewer. Moi, j'aimerais qu'on parle justement de votre métier et des qualités qui sont autour de ce métier. Quelles sont les qualités principales d'un chef concierge ? Les qualités, d'abord, c'est perdurer surtout dans le temps, savoir rester à sa place. Un peu de psychologie quand même pour gérer à la fois le personnel et comprendre le besoin du client. Lorsqu'on a un client qui ne connaît pas notre maison ou bien sûr Saint-Tropez et le Presqu'île, il faut en quelques secondes pouvoir l'étudier, le scruter un petit peu et comprendre où on peut l'envoyer. On est le lien, nous, entre bien sûr le client et le monde extérieur. Et donc, c'est très important. Nos conseils, il ne faut pas juste envoyer tout le monde au même endroit parce que c'est un endroit à la mode, mais il faut comprendre ce que les clients recherchent. On peut avoir des jeunes qui veulent un restaurant tranquille, et puis on peut avoir des moins jeunes qui cherchent un restaurant tout à fait à la mode et qui ont envie de s'amuser, de danser. Vous voyez, donc c'est ce petit moment, ce premier contact visuel est extrêmement important. Donc vous êtes un peu comme un scanner, vous êtes à la fois un directeur de casting qui doit envoyer son acteur dans un bon rôle, dans un bon spot. Oui, en tout cas, des bons spots, il y en a beaucoup et j'espère, oui, en tout cas, oui, on a effectivement énormément de clients qui sont vraiment très très contents, très satisfaits d'abord parce qu'ils passent un séjour dans un hôtel magnifique. Mais voilà, il y a toujours un risque entre le séjour au Biblos et ce à quoi le client s'attend. Par rapport à la plage, au restaurant et par rapport à n'importe quel autre service qui doit être vraiment en phase avec la maison, avec le service. Parfois, oui, on a quelques petites déceptions, on essaye de rattraper, mais en tout cas, ça se passe généralement bien. Notre problème à nous, c'est qu'on confie le client à des acteurs, effectivement, de la presqu'île qu'on connaît certes, mais on n'est jamais sûr à 100% de ce qui peut se produire sur une plage parce qu'ils sont débordés, ou un restaurant parce qu'ils ont oublié la réservation ou ils n'ont pas noté le nom. Enfin, voilà, ces petits dangers. Ben, à nous de vérifier en tout cas que tout se passe bien. Donc c'est pour ça que continuellement, on est en permanence en contact avec les collaborateurs externes et on a des liens très forts. Basé sur la confiance, certes. Lorsque moi ou mes collègues, autres concierges, nous appelons effectivement le restaurateur, je prends l'exemple d'un restaurant, ça peut être autre chose, je veux le nom du responsable, le nom de la personne ou du propriétaire qui va accueillir mon client pour que je puisse communiquer, bien sûr, à mon client et lui-même, il a une référence, vous voyez. Je parle d'un client qui n'est pas connu. Il se rend dans un restaurant, Monsieur Giuseppe a appelé et il s'adresse à Monsieur Guillaume qui est le directeur, le maître d'hôtel. Ça aide déjà, n'est-ce pas, à ouvrir les portes, ce que je dois faire, bien sûr. Vous avez les clés. Et je dois dire qu'effectivement, bon, les clients de notre maison sont toujours les bienvenus dans tous les établissements parce qu'effectivement, voilà, c'est une très belle clientèle qui vient de tous les continents du monde et qui nous rend de visite. Je sens qu'on a une très grande responsabilité vis-à-vis de ce contact, de cette transmission, je dirais, de plaisir. Hein. Ça reste le plaisir, surtout et avant tout, par rapport à nos hôtes. Voilà. Donc c'est extrêmement important. Voilà. La confiance est aussi la mémoire parce que il y a des habitués qui reviennent au fil des années. La mémoire, elle se travaille. Comment est-ce qu'on arrive justement à... Il faut être aussi physionomiste parce que sur un visage, vous arrivez à dresser une cartographie émotionnelle de goût, de besoin, d'envie, d'humeur. Absolument. Ça se travaille avec le temps,
Enfin, comment ça s'apprend? Vous avez peut-être une mémoire exceptionnelle, je ne sais pas. Je n'ai pas une mémoire exceptionnelle, malheureusement. J'aurais bien aimé avoir une mémoire exceptionnelle parce que j'aime bien anticiper lorsque le client s'approche. Il ne doit pas demander, par exemple, le numéro de la clé de sa chambre. Je dois anticiper. Et parfois, j'ai un petit peu. Bon, je mémorise 10, 15 numéros, mais au-delà, bon, c'est peut-être l'âge, non? Je ne sais pas. Non, mais ceci dit, effectivement. La mémoire, c'est surtout, oui, avec l'expérience qu'on arrive à anticiper le besoin du client. Et effectivement, vous avez dans des bonnes maisons comme la nôtre des concierges qui sont fidèles et qui reviennent chaque année. Prenons les palaces de la Côte d'Azur, par exemple. J'ai mon collègue Roger du Majestic. Qui est là depuis pratiquement 40 ans. J'ai travaillé à l'Hôtel de Paris à Monaco avec un concierge qui était président des Clés d'Or à l'époque et qui était là depuis son jeune âge, qui avait gravi tous les échelons. Vous voyez, donc on a connu souvent les clients, les enfants des clients. Et souvent on voit donc les enfants des clients grandir. Moi j'ai commencé ici à 26 ans. Donc imaginez. Ça fait combien de temps que vous êtes à l'hôtel 26 ans. Biblos, 26 ans, 26 ans, 26 ans de fidélité. Donc j'ai connu des enfants qui venaient qui avaient 3 ans. Aujourd'hui, voilà, ils en ont. Vous les avez vus grandir. Voilà, je les ai Donc il vus y a aussi une grandir. part d'affection qui est importante. Absolument, voilà. Donc effectivement, ce lien, cet historique qui me lie à la maison, me permet effectivement d'anticiper et de comprendre mieux le client. Voilà. Et voilà, ça nous permet effectivement d'exercer notre métier, d'optimiser chaque parole, je dirais, chaque phrase, et de mettre le client vraiment en confiance. Quand vous avez un client qui traverse l'Atlantique pour venir ici, effectivement, il est, entre guillemets, bien sûr, un peu perdu, et nous sommes là pour le mettre en confiance. Vous voyez des clients qui arrivent, décalage horaire, ils sont fatigués. Et 24 heures après, ils ont le sourire et tout va bien, parce qu'ils ont vécu une belle expérience d'abord chez nous et ensuite à l'extérieur, plage, port, voiture, hélicoptère, je ne sais quoi. Eh bien, là, je peux dire que voilà, on a La mission a été réussi. accomplie. Voilà, mission commence, mais voilà, disons que on a réussi à faire quelque chose Il faut d'exceptionnel. énormément d'empathie avec cette envie de prendre soin des autres. Oui, C'est une oui, 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 oui. des Il valeurs faut, clés. oui. L'hôtellerie est un travail d'humain, pour les humains, avec les humains. Nous travaillons bien entendu aujourd'hui sur des logiciels, sur des informatiques, mais effectivement, voilà, Le le cerveau et le contact, cœur. le cerveau, le cœur, oui. Ce que vous faites sentir au client à travers vos gestes, à travers le contact visuel, vos paroles, bien entendu, la gestuelle et le verbe est tellement important. Et ça doit venir naturellement. Bien sûr, on a un comportement à tenir dans un 5 étoiles palace, mais aujourd'hui, on est plus obséquieux, je dirais, parce que surtout dans un cadre pareil, ultra respectueux, oui, certes. Mais on se doit d'être sincère et naturel, avec le respect qu'on doit bien entendu à tous nos collègues et surtout nos clients et nos prestataires. Donc tout ça, quand on arrive à lier tout ça et à faire un cadre agréable et travailler avec du bon sens, le résultat généralement est positif. L'alchimie opère. La chimie opère. Giuseppe, vous avez l'accent qui chante Oui. l'Italie, vous avez des origines italiennes? Oui, tout à fait. Je suis né en Italie. Je suis en Italie. J'ai fait mes études donc en Italie d'hôtellerie. Je suis parti quand même assez tôt parce que j'ai toujours eu envie de voyager. Mais vraiment, j'ai voyagé donc assez tôt. J'ai travaillé dans différents pays. Et alors, je me suis toujours dit
que voyager, apprendre les langues aurait été parfait et surtout pour progresser, bien sûr, dans ce milieu hôtelier que la communication, c'est d'abord et avant tout apprendre la langue, parler, écrire. Donc je me suis rendu en Angleterre, j'ai travaillé plusieurs années. J'ai travaillé en Belgique, en Allemagne, enfin dans plusieurs pays avant d'arriver à Paris. Où effectivement j'ai eu la chance de travailler dans de très très belles maisons, dont le Ritz à Paris. Monsieur Al-Fayed venait juste à l'époque d'acheter l'hôtel, donc j'ai vécu la transformation, la première, là actuellement c'est la deuxième, la première vraie transformation, la renaissance du Ritz. Et j'ai appris beaucoup dans ce palace avec des anciens directeurs et chefs de réception, des gens qui ont donné beaucoup à l'hôtellerie. Et qui m'ont fait comprendre beaucoup de choses, qu'il faut vraiment donner beaucoup, donner, donner, donner. Et il ne faut pas s'attendre à recevoir, mais en tout cas, voilà, il faut d'abord donner dans ce métier. Après, Et voilà. c'est des ondes. Quand on donne, on reçoit forcément des Oui, bonnes énergies. Ça sera la absolument. conclusion de notre discussion. J'étais ravi de vous rencontrer, Giuseppe. Merci. Merci beaucoup pour l'échange. C'était William Arlotti pour le Fashion Post. Et j'invite les lecteurs, les lectrices, les téléspectateurs, les téléspectatrices du Fashion Post à venir à l'hôtel Biblos, à rencontrer Giuseppe, mais aussi toute l'équipe qui est charmante. Je vous remercie. Merci à vous, William. Merci. Merci.